Les enfants face à la sorcellerie, quel ministère efficace pour une délivrance réelle en vue d'une marche chrétienne glorieuse est le thème de la conférence développée par le pasteur Hassan Ndongui, responsable du département de la délivrance des enfants de la CMCI Côte d'Ivoire, le samedi 31 août 2024 au temple de la CMCI Vridicité dans la zone spirituelle de Port-Boué. Les semeurs, comme d'accoutumée, ont préparé les cœurs par des chants. Oh oui, viens. L'ancien Daniel Monton situe le contexte de cette conférence scientifico-évangélique. Je vais rapidement situer le cadre. Je vais vous lire dans Matthieu chapitre 11 à partir de verset 25. Vers cette même époque, Jésus pria en ces termes. Je te loue, Père, Seigneur, du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces vérités aux sages et aux intelligents, et tu les as dévoilés à ceux qui sont tout petits. Oui, Père, il en est ainsi, car tel a été ton bienveillant dessein, et je te loue pour cela. Alléluia. Pour ceux qui ont entendu déjà mon histoire, mon grand-père avait destiné que je serais son héritier. Tout petit. On me prenait. On allait m'installer à la maison sur une chaise royale, un tabouret royal. Et on m'a dit qu'avant que je ne naisse, il avait tapé dans le ventre de maman pour dire, si cet enfant naît garçon, il s'appellera Niangora. Si c'est femme, elle s'appellera Niangora. Et quand je suis né, d'après ce que j'ai entendu, il est venu cracher dans ma bouche. Frère, c'était une initiation claire, destinée à servir le diable. Et donc, frère, quand nous avons rencontré le pasteur Meunier, nous avons été entièrement délivrés. Et comme chacun de nous, vous connaissez l'impact du brisement des liens dans la nation et aujourd'hui au-delà des frontières. Alléluia! Comme j'ai été très, très éprouvé en tant qu'enfant, je me suis dit qu'il était important que nous réfléchissions dans notre sous-centre. Comment aider les enfants à échapper très rapidement aux initiations à la sorcellerie? Parce que moi, je n'avais pas d'option. Et c'est plus tard que Jésus m'a sauvé. Le décor étant bien planté, le conférencier avec plusieurs expériences dans le domaine expose sur le thème. Il a d'abord fait un historique de son ministère. Et depuis 2020, c'est-à-dire après la COVID, pendant la COVID, disons, le Seigneur nous a amenés à travers le passé mené Boniface à... On ne pouvait pas faire vacances en Christ en ce temps-là. Donc la période qu'on prenait pour faire vacances en Christ, il nous a demandé de regrouper les enfants et de leur rendre ministère. Ministère de brisement des liens à tous les enfants. Bon, on a essayé de réfléchir à comment faire et nous avons convoqué, on a demandé à tous les frères d'Abidjan de venir travailler par rapport au brisement des liens des enfants. Et c'est pendant ce travail-là que nous avons rencontré des choses qui nous ont époustouflés, qui nous ont effrayés, nous-mêmes. Et on s'est dit, mais si on ne prend garde, ici quelques années, l'Église serait remplie de sorciers. Il détaille son intervention en 5 points. 1. Comprendre la sorcellerie et son influence. 2. Le rôle des ministres et le ministère. 3. La pratique de la délivrance et les exemples qu'on a rencontrés. Et 5e partie, c'est vers une marche chrétienne glorieuse. Qu'est-ce qu'il faut faire exactement? Au sujet du dernier axe de son développement concernant une marche chrétienne glorieuse, il a insisté que tous doivent s'impliquer. L'engagement d'ensemble, c'est-à-dire que si nous-mêmes, nous ne rejetons pas nos enfants, mais nous les amenons à une délivrance radicale, comme par exemple dans une assemblée, le dirigeant de l'assemblée voit ses enfants, il sait qu'il y a un problème, il cherche, il informe tous les dirigeants, on voit les parents, allez, on brise les liens des enfants. S'il le faut, on appelle d'autres personnes pour venir nous aider. Amen.
Après son bref exposé, le conférencier invite le missionnaire Séraphin, membre actif de l'équipe de délivrance des enfants, d'expliquer la pratique de la délivrance. En s'appuyant sur 1 Jean 3, verset 8, il révèle que Jésus-Christ est venu détruire les œufs du diable. Pour détruire les œufs du diable dans la vie des enfants, il faut premièrement s'assurer que les enfants ont réellement donné leur vie à Jésus-Christ. Lorsqu'ils viennent, la première chose que nous cherchons à savoir, c'est est-ce que l'enfant a donné sa vie à Jésus-Christ? C'est la première analyse que nous faisons. Nous cherchons à savoir, cet enfant-ci, dont les parents veulent la délivrance, a-t-il donné sa vie à Jésus? S'il n'a pas encore donné sa vie à Jésus, on lui présente Jésus. Et on recherche à ce qu'il accepte Jésus lui-même. Pour dissiper toute zone d'ombre dans leur esprit, quelques participants ont posé une série de questions aux panélistes qui ont répondu avec maestria à toutes leurs préoccupations. Je suis la sœur Jamie Anne-Marie. L'intervention des conférenciers, je crois que c'est le pasteur Séraphin, il a dit qu'il y avait 3 niveaux de sorcellerie. Il y avait la sorcellerie active, la sorcellerie passive et il y avait les intermédiaires. Alléluia. Pour la sorcellerie passive, active, je pense qu'il a dit que quand tu échanges avec l'enfant, selon ses songes, selon même l'attitude de l'enfant, tu peux discerner. Mais qu'en est-il de la sorcellerie passive et des intermédiaires? Puisque plus loin, il a été dit encore que tu peux, quand tu n'es pas consacré, le sorcier peut vivre avec toi à la maison simplement. Même, tu peux même être consacré et puis il sera à l'aise dans ta maison. Mais dans ce cas-là, comment reconnaître un enfant qui est dans la sorcellerie passive ou bien les intermédiaires? Amen. Il y avait des cas intermédiaires. En fait, ceux-là, ils sont facilement repérables parce qu'ils vivent constamment des oppressions. C'est ça même qui fait que tu te rends compte facilement qu'ils ont des difficultés. Parce que tu vas voir qu'il fait un songe, on le poursuit. On y va, il plonge dans l'eau, bien il s'envole. Mais lui, il ne sait pas réellement s'il est actif dans la sorcellerie. Gloire à Dieu. Il y en a même, il ne se souvient d'aucun songe. C'est comme un songe, s'il a commencé un songe, il ne sait plus comment ça s'est passé. Gloire à Dieu. Mais par sa manière de faire, il aura quelque chose qui va, comme je le disais, ça va être le Seigneur qu'on traite. Voilà. Sinon, la plupart de ceux qui sont intermédiaires sont ceux qui sont sous oppression. C'est-à-dire que ceux qui sont sous oppression, c'est comme si la sorcellerie, on leur a déjà donné. Mais ils n'ont pas encore reçu intégralement soit leur poste, soit les missions qu'ils doivent faire, ils n'ont pas encore accepté eux-mêmes. Donc c'est comme si c'est un conflit entre l'enfant lui-même, ou bien le concerné et les sorciers qui veulent qu'il soit à leur service. Donc c'est une lutte constante. Et ma préoccupation va dans le sens du monde et concernant les enfants. Vu que le monde a des choses qu'il présente, telles que les anniversaires, les visites, la télévision et bien d'autres choses. Face à ces multitudes de choses, quel comportement ou quelle attitude en tant que chrétien ou en tant que parent devons-nous adopter pour permettre à nos enfants, quand on sait que les enfants ne s'intéressent pas trop aux choses spirituelles, donc pour permettre aux enfants d'être dans le cercle spirituel, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Dans quel genre de milieu l'enfant doit baigner? En famille? On a parlé du culte familial, de la vie même spirituelle dans la maison. Et quand tu lis la Bible, la personne est là et tout ça et tout ça. Ça, c'est au niveau de la famille, les rencontres, de l'église et tout ça. Le faiseur de disciples, sa part. Et la part du ministère aux enfants. Donc, voici tous les milieux réunis pour faire du. Maintenant, les anniversaires, la télévision, tu ne peux pas supprimer. Si tu supprimes, tu auras des problèmes avec l'enfant.
il y a beaucoup de choses qu'il ne saura pas. Quand il va arriver à l'école, et son ami va lui dire que j'ai vu manga, j'ai vu ceci. Tu ne sais même pas de quoi il s'agit. L'enfant ne sait pas de quoi il s'agit. Et quand il vient, il cherche à savoir qu'est-ce qu'on appelle ceci ou cela. Donc, tu lui montres que ça, on ne fait pas ça. Voici ce qu'il ne faut pas faire. Voici ce qu'il faut faire. Et il y a un élément sur lequel je devais parler depuis. Quand l'enfant est petit, jusqu'à ce qu'il ait 10 ans, c'est-à-dire que la foi des parents, jusqu'à ce qu'il ait 8 ans, 9 ans, il commence même à être avec ses amis. C'est quand tu veux lui dire de faire, ou quand tu veux l'empêcher de faire quelque chose, enseigne-lui à faire ce qu'il doit faire. Parce que généralement, on dit, ne fais pas ça, sois là. Tu n'as pas dit que tu es bandit, il ne faut plus faire ça. Hein? Mais qu'est-ce qu'il doit faire? C'est ce qu'il faut lui enseigner. Fais ci, fais ça, lis la Bible. Et toi, tu n'as pas dit que tu aimes te promener. Tu n'as pas dit que c'est... Oui, il se promène. Mais qu'est-ce qu'il doit faire? C'est ce qu'il faut lui dire, c'est ce qu'il faut l'enseigner. Et quand c'est comme ça, c'est plus facile pour lui de comprendre. Quand c'est les interdictions, il veut savoir pourquoi on l'a interdit de faire ci. Et il va chercher à savoir. Donc, dis-lui ce qui est bien. Montre-lui ce qu'il faut faire. Pendant qu'il est en train de faire, là, quand tu lui dis que, tu vois, quand tu fais ça, voici ce qui va t'arriver. Quand tu fais ce qui n'est pas bon là, quand je te dis ça, c'est pas bon. Si tu fais, voici ce qui va t'arriver. Alléluia. Les anniversaires, c'est même une bonne chose. C'est une occasion même pour lui de prêcher l'évangile. D'amener ses enfants, tous ceux qui disent que ce sont ses amis, là, tu les envoies à la maison. Et ils font la fête, le gâteau, tout ça, si tu as les moyens de t'en offrir, ou de lui en offrir. Tu envoies un homme gentil pour leur donner Jésus, cadeau à chacun. Donc, il y a des choses qu'on ne peut pas donner à nos enfants. Vraiment, ce n'est pas bien. Ces choses-là, on ne leur donne pas. Ce qui peut conduire à les amener à s'épanouir sainement, on leur donne ça. Cette conférence évangélique a conduit 6 âmes à dire oui publiquement à Jésus-Christ, l'auteur de la délivrance des œufs de la sorcellerie. Après un moment de prière pour protéger les acquis de cette conférence, ils ont aussi prié pour les conférences à venir. Quelques participants ont réagi au micro de la RTVC. Nous avons traité le problème de la délivrance de la sorcellerie, étant donné que c'est un phénomène qui mine nos églises et que c'est un phénomène culturel que nous devons surmonter. Et aujourd'hui, nous avions eu l'occasion d'exposer sur l'origine et surtout les conséquences qu'on observe de la sorcellerie sur ceux qui sont ensorcelés comme ceux qui sont dans la sorcellerie, qui pratiquent la sorcellerie. Et nous avons vu que ce n'est pas des choses qu'on doit garder dans nos églises. Mais comment faire pour en être délivré? Nous avons donc touché les éléments nécessaires concernant la communauté, concernant la direction spirituelle, concernant la famille et concernant les enfants eux-mêmes. De sorte que les ministères soient assez pratiques et que la délivrance s'opère rapidement. De sorte que nos églises soient délivrées, que nous ayons des églises qui ne sont pas dormantes, qui sont éveillées. Voilà ce que nous avons voulu faire avec l'église de Fridi ce jour. Je suis le frère Goré Salomon et mon président de disciple, c'est le pasteur Ekou Michel. Nous disons merci au Seigneur, lui qui nous a accordé cette conférence. Aujourd'hui, les sachants du ministre de la délivrance, du ministère de la délivrance aux enfants, sont venus nous éclairer sur le thème « Les enfants face à la sorcellerie, quel ministère pour une image chrétienne glorieuse ?» Nos attentes, personnellement, mes attentes ont été satisfaites parce que les conférenciers m'ont plus éclairé sur comment
empêcher les enfants de tomber dans le piège de la sorcellerie. Et aujourd'hui, ce qui m'a le plus touché, c'est que même les croyants, les enfants même des croyants peuvent être victimes de la sorcellerie, ils peuvent même être initiés à la sorcellerie. Et ils nous ont montré les pièges plus ou moins à éviter pour mieux encadrer les enfants pour ne pas qu'ils tombent dans ces pièges-là. À Dieu soit toute la gloire pour cette conférence et son impact.